Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, le titre de cet enseignement a de quoi vous interpeller. Il s'agit d'une question que personne ne devrait éviter. Un croyant peut-il commettre le péché impardonnable? C'est-à-dire, est-il possible de franchir la frontière au-delà de laquelle le salut n'est plus possible même si pendant un certain temps nous avons été de fervents croyants? Cela nous amène à une question inévitable. Qu'est-ce que le péché impardonnable Au risque de vous étonner, c'est Jésus en personne qui a abordé le sujet et qui donne la réponse, car voici ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il n'y a aucune ambiguïté dans la réponse de Jésus. Le péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le blasphème contre le Saint Esprit. Cette déclaration ne manque pas de soulever une autre question qu'est ce que le blasphème contre le Saint Esprit? Et lorsque nous aurons compris ce que c'est, il nous restera à déterminer si un croyant peut ou non être coupable de blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Tout d'abord, examinons la même déclaration de Jésus dans Luc chapitre 12, verset 10. Il déclare Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. J'ai tenu à lire ce verset parce que le contexte est différent de celui de l'évangile selon Matthieu. Dans le contexte du chapitre 12 de l'évangile selon Luc, Jésus parle de le confesser devant les hommes et de ne pas le renier lorsque la pression et la persécution persistent. Voici en effet ce que disent les versets 8 et 9. Je vous le dis Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Dans le verset 11, Jésus avertit ses disciples que partout où ils prêcheront l'évangile, ils risquent d'être amenés devant les chefs religieux et politiques de ces endroits pour y être jugés. Lorsque ces comparutions auront lieu, certains croyants pourront être tentés de renier le Seigneur afin d'échapper à la persécution. L'histoire confirme que dans certains cas, on leur demandait même de blasphémer le nom du Christ. D'ailleurs, Paul lui-même a avoué qu'il agissait ainsi lorsqu'il persécutait les disciples de Jésus. Il déclare dans Actes chapitre 26, verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Non seulement Paul forçait les croyants à blasphémer le Seigneur, mais il reconnaît avoir été lui-même un blasphémateur en prenant soin toutefois de préciser qu'il a agi par ignorance et incrédulité. C'est ce qu'il confesse dans 1 Timothée chapitre 1 verset 12 et 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Pour en revenir à la déclaration de Jésus, trois des quatre évangiles mentionnent l'avertissement du Seigneur, selon lequel le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu chapitre 12, verset 32, et Luc chapitre 12, verset 10, que nous avons déjà cités. Lisons la troisième mention qui se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 3 et au verset 29. Jésus déclare, Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Notons que Marc ajoute qu'il s'agit d'un péché éternel, ce qui signifie qu'il ne peut être purifié par le sang de Jésus. Nous savons que l'homme peut se rendre coupable d'atrocités qu'il est pénible de nommer. Mais nous savons aussi que le sang de Jésus peut pourvoir au pardon et à la purification de ces actes aussi horribles soient ils. Cependant, il y a un péché pour lequel il n'existe ni pardon ni purification le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est si grave que Jésus le qualifie de péché éternel. Et comme nous l'avons vu, l'Évangile selon Matthieu souligne qu'il ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. En d'autres mots, un pardon impossible équivaut à un salut impossible pour l'éternité. Maintenant, penchons-nous sur le contexte des avertissements du Christ. L'apôtre Pierre dit dans Actes chapitre 10 verset 38 que Jésus a été oint par le Saint-Esprit pour guérir tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Une partie du ministère de Jésus consistait d'ailleurs à chasser les mauvais esprits. Dans Matthieu chapitre 12, le Christ délivra un individu qu'un démon rendait aveugle et muet, ce qui ne manqua pas de susciter l'admiration de la population qui se demandait s'il n'était pas le Messie d'Israël. C'est ce que nous voyons dans les versets 22 et 23. Mais la réaction des pharisiens était tout autre se sentant menacés par la popularité grandissante de Jésus au verset 24 ils se sont mis à l'accuser d'opérer des délivrances par la puissance de satan or les rabbins des générations précédentes avaient enseigné que le pouvoir du messie sur les esprits mauvais était le signe qu'il était bien le messie d'Israël en tant que spécialiste de la foi juive les pharisiens plus que quiconque savait que Jésus était bel et bien le sauveur promis par Dieu. Mais ils craignaient de perdre leur position d'autorité et leur domination sur le peuple grâce à leur tradition. Aussi, pour susciter la peur au sein de la population, ils ont donc annoncé publiquement que les miracles du Christ étaient accomplis. Par l'assistance de l'un des principaux esprits mauvais au service de Satan, Belzébul, ce qui au passage signifie Seigneur du fumier. Les pharisiens connaissaient très bien les Écritures. Contrairement aux Sadducéens, ils croyaient aux esprits, aux démons et aux surnaturels. Mais ils accusaient Jésus d'accomplir des miracles par la puissance du Seigneur du fumier. Comme vous pouvez le comprendre, c'était une terrible insulte envers le Saint-Esprit dont Jésus était oint et qui lui donnait force et autorité sur toutes les puissances démoniaques. C'est pourquoi le Christ les a mis en garde ainsi que tous ceux qui suivraient leurs pas et agiraient comme eux contre le péché impardonnable lequel consiste à blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Je pensais autrefois que le blasphème contre le Saint-Esprit était propre à l'époque de Jésus. Mais mon étude des Écritures et de l'histoire de l'Église m'a permis de changer d'avis. Aujourd'hui, comme du temps de l'incarnation de Christ, il est possible de blasphémer l'Esprit de Dieu. Le verbe grec pour blasphémera dans Marc chapitre 3 verset 29 est blasphéméo, qui signifie calomnier, insulter, injurier, outrager, accuser, parler contre quelqu'un en utilisant des mots malveillants dans le but de le blesser ou de nuire à sa réputation. Ce mot peut également faire allusion à un langage grossier et impur. Avant d'examiner la possibilité de blasphémer le Saint Esprit, j'aimerais considérer plusieurs péchés qui peuvent être commis contre l'Esprit. Ces péchés sont mentionnés dans la Bible, mais ils ne sont pas classés dans la catégorie du blasphème. Si vous êtes un lecteur des Saintes Écritures, vous les avez probablement déjà rencontrés sans savoir exactement ce qu'ils signifient, peut-être. Eh bien, c'est le moment de le découvrir. Le premier péché consiste à s'opposer au Saint-Esprit. S'opposer au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 7, Étienne. Un des sept diacres de l'église de Jérusalem, prêchait la parole de Dieu à un auditoire de Juifs hostiles, en leur démontrant que les écritures prophétiques confirmaient que Jésus est bien le Messie tant attendu. Cependant, au lieu de croire les prophètes, ils ont rejeté la prédication d'Étienne et ont fini par le lapider après qu'il les ait sévèrement réprimandés en disant au verset 51 homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. S'opposer à quelque chose, c'est résister fortement, que ce soit mentalement, émotionnellement ou physiquement. Le verbe grec signifie être l'adversaire de et courir contre. Par exemple, lorsque la vérité est prêchée, et que l'individu choisit délibérément de ne pas la croire ou de la combattre comme le ferait un adversaire, il s'oppose alors au Saint-Esprit. Il est intéressant de noter qu'Étienne traite ses auditeurs d'hommes au cou raide. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, pour le comprendre, il faut penser à ce qu'implique la repentance. Se repentir signifie changer sa façon de penser. On peut dire que se repentir c'est se tourner pour regarder ailleurs. Toutefois, lorsque le cou est raide, il est impossible de le tourner. Cela veut dire que la personne est coincée dans ses propres traditions, dans ses propres idées et qu'elle ne change pas sa façon de penser. Paul a entendu la prédication d'Étienne mais il s'y est opposé, comme le reste des auditeurs d'ailleurs, et a consenti à ce qu'il soit lapidé à mort. Pourtant, plus tard, cet opposant et adversaire des disciples de Christ en est devenu un lui-même sur le chemin de Damas, comme nous le savons. Le deuxième péché consiste à attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit. Nous découvrons ce péché dans Ephésiens chapitre 4 verset 30 où Paul dit N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le verbe attrister signifie causer de la peine à quelqu'un, l'affliger par des paroles ou des actions. Mais alors, comment pouvons-nous attrister ou affliger l'Esprit de Dieu? Eh bien, le verset 31 Indique quel type de comportement cause de la peine au Saint-Esprit. Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Le même verset se lit ainsi dans la version Parole de vie. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Les attitudes charnelles mentionnées dans ce verset se manifestent non seulement par nos actions, mais aussi par nos paroles. Par exemple, lorsque nous perdons notre sang-froid, que nous nous mettons en colère et que nous parlons mal des autres, non seulement notre esprit devient lourd, mais le Saint-Esprit est également affligé. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, nous perdons notre joie et notre paix. Il faut alors se repentir et changer d'attitude avec humilité pour que le Saint-Esprit illumine notre esprit de nouveau. Le troisième péché consiste à irriter le Saint-Esprit. Irriter le Saint-Esprit. C'était le péché d'Israël, comme l'indique Ésaïe chapitre 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Le verbe hébreu traduit par attrister ici signifie heurter, déplaire, vexer, irriter et même torturer. La racine hébraïque de ce verbe signifie creuser. Ce mot semble impliquer que le fait de désobéir à Dieu. Touche profondément le cœur du Saint-Esprit et lui cause une grande souffrance au point de l'irriter. Israël s'est souvent rebellé dans le désert, tant par ses paroles que par ses actes, ce qui a eu pour effet de vexer le Saint-Esprit. Dieu est alors devenu leur ennemi et les a combattus, exerçant à plusieurs reprises un jugement mortel au milieu du peuple. La Bible a noté Neuchâtel traduit ainsi ce verset. Mais eux, furent rebelles et offensèrent son Esprit Saint, et il se changea pour eux en ennemi lui même, leur fit la guerre. Qu'y a t-il de plus terrible que d'avoir Dieu pour ennemi? Je ne le souhaite à personne d'entre nous. Donc ces trois péchés s'opposer, attrister et irriter le Saint Esprit sont évidemment graves et dommageables. Cependant, ils ne sont pas aussi graves que le blasphème, parce qu'on peut s'en repentir et en être pardonné. Cela nous amène bien sûr au quatrième péché, qui est le plus dramatique, le plus sérieux. C'est celui qui consiste à blasphémer le Saint-Esprit. Blasphémer le Saint-Esprit. Comme nous l'avons lu, le Christ a adressé un avertissement solennel aux pharisiens, les membres de ce groupe religieux au sein du judaïsme de son époque. Des pharisiens qui connaissaient la loi et les prophètes et se vantaient d'être les gardiens fidèles de la parole de Dieu. Pourtant, ils ont délibérément péché en utilisant des mots méprisants, haineux et injurieux pour attribuer la puissance du Christ à un mauvais esprit. Ils l'ont fait en connaissance de cause et non par ignorance. C'est cela blasphémer le Saint-Esprit. C'est l'injurier avec mépris et haine en toute connaissance de cause. À présent que nous savons ce que signifie le blasphème contre le Saint-Esprit, une autre question s'impose. Un croyant, peut-il blasphémer l'Esprit de Dieu? Tout prédicateur de l'Évangile finit tôt ou tard par rencontrer des gens qui se demandent s'ils avaient commis le péché impardonnable du blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on analyse la façon dont cette peur attaque et tourmente des croyants qui confessent aimer sincèrement le Seigneur, on en arrive à quatre observations qui aident à comprendre ce qui peut être enfoui sous la racine de cette peur. Laissez-moi partager avec vous ces quatre observations. Première observation. La pensée ou la peur du blasphème contre l'esprit peut survenir après qu'un croyant soit tombé dans un péché très grave, un péché qui a nuit à son intégrité, à sa réputation, ou même à sa famille. Les ténèbres de la désobéissance peuvent alors être si profondes qu'il perd la paix de l'esprit. Son esprit se trouve dans une sorte de brouillard spirituel. Il se sent mentalement tourmenté par ce qu'il a fait, étant incapable de se pardonner lui même. L'ennemi profite alors de son état et bombarde ses pensées en lui disant que l'amour de Dieu s'est épuisé pour lui car il a franchi la ligne de non retour. Il s'agit bien sûr d'un mensonge. Il est vrai que certains péchés peuvent entraîner un prix élevé à payer mais ils peuvent quand même être pardonnés lorsqu'on s'en repent. Le sentiment de culpabilité et le remords doivent finalement être remplacés par la voie de la miséricorde, de la grâce et du pardon de Dieu afin que la personne déchue sorte du gouffre du désespoir. Ce sentiment de désespoir, auquel s'ajoute le fait que le Saint-Esprit soit attristé, peut créer une sensation de perte que la personne interprète comme le signe que le péché impardonnable du blasphème contre l'Esprit a été commis. Mais je le répète, c'est un mensonge. Voyez-vous, s'il y a culpabilité, remords et désespoir, il n'y a pas eu de blasphème contre le Saint-Esprit. Deuxième observation. Un croyant habitué à expérimenter la présence de Dieu peut soudainement traverser une période plus ou moins longue de sécheresse spirituelle inexpliquée, période au cours de laquelle il ne sent plus la présence du Seigneur dans son cœur, que ce soit à l'Église ou lorsqu'il essaie de prier tout seul chez lui. Cette sécheresse spirituelle peut résulter d'une épreuve, de la disparition d'un être cher, ou de nombreuses autres circonstances qui peuvent priver une personne de la sensation de la présence de l'Esprit Saint. Lorsque quelqu'un dit Je n'ai rien fait de mal et pourtant je ne sens plus la présence de Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Cela est parfois dû au fait que l'individu prend un médicament puissant qui altère les sentiments et les émotions, ce qui rend difficile sa sensibilité au Saint Esprit. Cet individu n'a pas blasphémé contre l'Esprit comme il pourrait le penser mais le médicament qu'il prend supprime sa capacité à être sensible à la présence de l'Esprit. Quand c'est le cas, la personne concernée doit le savoir et continuer à croire que le Seigneur ne s'est pas éloigné et ne s'éloignera pas d'elle pendant cette période de crise, car comme le dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Troisième observation. Les croyants peuvent souffrir d'oppression émotionnelle et mentale à cause de certains changements physiques et chimiques qui se produisent dans leur corps. Vous savez, les guerriers de la prière et les enseignants de la parole, autrefois très forts, finissent par vieillir. Et avec l'âge, apparaissent la faiblesse physique, la perte de mémoire ou l'incapacité naturelle de faire certaines choses. L'oppression ou la dépression, qu'il s'agisse d'une attaque spirituelle ou d'un changement physique, chimique ou biologique, peuvent amener même un croyant chevronné à se demander Où est passée la présence du Seigneur Je ne la sens plus. Aurais-je commis le péché impardonnable Et enfin, quatrième observation Les croyants peuvent, sans s'en rendre compte, dire quelque chose qui attriste l'esprit, comme le souligne Ephésiens chapitre 4, versets 30 et 31 que nous avons lu tout à l'heure. Et ils en viennent à ne plus sentir la présence de Dieu. Il est en effet possible que la présence de l'Esprit ne soit plus ressentie pendant une saison parce qu'il est attristé. Mais cela ne veut pas dire que le blasphème contre l'Esprit a été commis. Lorsqu'un croyant semble perdre la présence de Dieu, ou plus exactement la sensation de sa présence, il peut y avoir des raisons pratiques à un manque d'onction, et ceci en raison de diverses circonstances physiques et émotionnelles. Mais il ne faut pas en déduire que le péché impardonnable est à l'origine de cette désagréable expérience.